Donc là, je viens de mettre ma crème hydratante. Et ce que je vais faire, donc pour les make-up artistiques, j'aime bien avoir la peau assez claire. Donc je vais prendre quelque chose qui va justement éclairer mon visage. Donc je reviens avec ma base éclaircissante de chez Kanebo. Donc c'est une base que j'avais achetée au Japon il y a très longtemps. Où je pense qu'elle est même plus bonne, mais bon... C'est pas pour une fois, hein, j'ai envie de dire. De toute façon, les make-up artistiques, je les garde jamais bien longtemps sur mon visage, donc je risque pas grand chose. Voilà, donc vous voyez que ça fonctionne pas mal, hein, quand même. On voit sacrée différence. Enfin, moi personnellement, je la vois et c'est le principal. Ensuite, on va mettre une base lissante. Là, je prends la Time Balm de chez The Balm, tout simplement. Hein, c'est pas compliqué. Alors, pourquoi je mets une base lissante? Tout simplement parce que j'ai vraiment envie d'avoir le teint vraiment parfait. Voilà, donc ça lisse tout. Ça va donner un aspect beaucoup plus pro au maquillage et c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant, si je puis dire. Ensuite, là, je vais passer à l'anti-cerne avec mon Camouflage Cream de chez Beatrice. Ça fait très longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Je ne sais même plus à quel point il fonctionne. Mais d'après ce que je vois dans le rendu, il faut que je le rachète. Donc ça, je vais le mettre vraiment partout, même sur ma paupière, etc. Pour avoir une base vraiment uniforme et pouvoir faire quelque chose, encore une fois, de plus pro, si je puis dire. Parce qu'on n'est pas beau comme ça. Magnifique. J'avais oublié à quel point il était cool, cet anti-cerne. Waouh. Ok, donc maintenant on va passer au fond de teint avec le All Matte Plus de chez Catrice. Petite particularité à ce make-up, c'est qu'on m'a demandé de faire d'abord quelque chose de portable et puis de le transformer en le make-up que je portais dans ma dernière vidéo. Alors je sais pas comment je vais faire ça parce que le make-up est totalement importable, mais je pense que je vais m'inspirer d'un make-up que j'ai vu sur Instagram de Biscuit. Donc si vous savez pas qui c'est, je vais juste vous mettre son Insta, sa chaîne YouTube, etc. en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir et comme ça c'est cool. Putain, mes lèvres sont hyper rouges, quoi. What the fuck, c'est n'importe quoi. Vu que je brille pas mal, je vais prendre la couleur ici qui est un beige, hein, tout simplement. Je vais faire vite mon face histoire de matifier tout ça parce que c'est pas très beau. Alors je disais donc que nous allions nous inspirer d'un make-up que j'avais vu sur le Insta de Biscuit et sur sa chaîne aussi. Donc il me semble qu'elle avait utilisé ces trois couleurs là. Bon, nous on va aller plus vers le rose, hein, parce que de toute façon ce make-up sera vraiment plus concentré sur le rose. Et on va faire ça au KLM. Oui, je sais, vous avez demandé un maquillage portable et je suis en train de mettre du rose sur mes yeux. Voilà, c'est comme ça, je vois pas le problème. Ensuite, on va prendre un fard blanc. Donc moi, je prends le Bone de chez NYX. Vous allez voir énormément de produits NYX dans cette vidéo, hein, parce que j'ai énormément de produits NYX, que je suis très heureuse, du coup je les utilise tout le temps. On le met tout simplement, vous savez, en coin interne et puis on va vers le centre. Voilà, c'est tout simplement pour éclairer le regard, éclairer le make-up, lui donner, allez, un style un peu plus poussé, un peu plus sympa. Je vais en mettre également ici, sous ma petite arcade sourcilière. Ensuite, on va prendre un petit blush. Je prends celui-là parce qu'il est assez discret et je vais le mettre vite fait sur mes pommettes, hein, juste pour donner un peu de couleur à mon visage. Ok, donc je viens de faire mes sourcils en rose parce que j'ai complètement oublié ma palette à sourcils. Donc voilà, on les a fait en rose, hein, voilà. Bon, c'est pas si mal que ça, au final c'est un peu assorti à cette mèche-ci. Oui, j'ai des mèches de toutes les couleurs dans mes cheveux, voilà, j'ai pété un plomb comme d'habitude. Du coup, voilà, le make-up portable c'est foutu. On va tout de suite passer au make-up tel que vous l'avez vu sur ma chaîne dans la précédente vidéo. Donc je vous fais ça maintenant. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je vais prendre cette couleur-ci qui est un bleu très flash. Et je vais aller le mettre par-dessus le rose ici. Trop joli, j'ai limite pas envie de mettre des paillettes pour pas gâcher le truc, mais bon, comment des paillettes pourraient gâcher quoi que ce soit en soi, donc voilà, je mettrai des paillettes quand même. Ok, je vais remonter sur le côté ici, faire une espèce de cat eye si je puis dire, et on revient un peu ici. Voilà, cela est parfait, c'est merveilleux, oui, on est très heureux. Ok, donc maintenant je reprends notre rose super flash et je vais repasser tout simplement pour avoir quelque chose de beaucoup plus flashy flashouille, tel qu'on aime ça. Merveilleuse de la vie. Donc ici je vais passer du bleu, hop, magnifique. N'ayez pas peur de passer au doigt quand vous dépassez ou quoi, hein, y a pas de souci avec ça. Ça veut pas dire que vous êtes une crotte en maquillage, ça veut juste dire que vous savez aussi utiliser vos doigts. Phrase à ne pas sortir de son contexte. Ok, donc maintenant je prends du rose que je vais mettre ici. Et maintenant je reprends mon monobone et je vais le mettre vraiment en coin interne de mon œil pour illuminer le tout.
qu'il sera déjà bien lumineux puisque ce sera plein de paillettes, mais ce n'est pas très grave. Voilà, donc là on est parti sur quelque chose de plutôt mat, hein, et on va arranger ça dans une seconde. Je prends maintenant mon pantoufle de verre, encore une fois de chez NYX. Je vais éviter de vous... En fait, je vais vous préciser d'où ça vient quand ça viendra pas de chez NYX, hein. On va faire ça comme ça. Donc le pantoufle de verre que je vais mettre ici, voilà, en coin de mon trousseau. Voilà, vous avez compris de quoi je parlais, de toute façon vous l'avez vu. Il a un côté très Frozen, hein, faut le dire, avec le bel accent, merci Florence pour ce bon Frozen qui a éclaté les oreilles de tout le monde. Bon, je vais en mettre un petit peu, voilà, sur la pointe de mon nez, au calme. Bon, en fait, on va faire tout notre highlight avec lui, hein. Je crois que vous l'aurez compris. Bien sûr, l'highlight, ça se passe aussi ici. C'est tout sauf naturel, hein, bien sûr, mais bon, de toute façon, là, on est dans tout sauf un make-up naturel, donc tout va bien. Mais je le trouve vraiment magnifique et j'adore tous ces petits reflets comme ça, vert, bleu, c'est extra beau, c'est extra sublimissime, nous sommes très heureux. Comme pinceau ici, j'utilise celui de la palette Vice 4 de chez Urban Decay et franchement c'est un pinceau vraiment vraiment sympa, je sais pas où vous pouvez trouver un pinceau comme celui-ci mis à part dans la palette et c'est un peu dommage, mais franchement il est hyper top, je le kiffe. Beaucoup. Ouais, donc là on va passer aux paillettes sur nos yeux. Je vais prendre un gloss vraiment très sticky, très collant, très dégueulasse que je vais mettre sur ma paupière mobile. Je vais le faire au doigt. Oh, c'est trop beau, j'ai envie de garder mon œil comme ça. Par contre ça colle sur mes cils, c'est dégueulasse. Ah bah je vais prendre un pinceau pousse-mousse puisque je déteste les pinceaux pousse-mousse et que la sensation que je ressens en ce moment est assez détestable. Donc c'est bien, ça va très bien ensemble, c'est merveilleux, on est très heureux. Ok, donc là je vais garder mon œil partiellement fermé et partiellement moche aussi. Tout simplement parce que si je l'ouvre, je vais m'en mettre partout. Et là je prends mes palettes turquoise et il me faut, mes palettes bien sûr, il me faut un pinceau un peu fluffy. Voilà, j'ai trouvé un pinceau fluffy et je vais donc mettre mes paillettes. Je suis dans la galère la plus totale. Oh, donc on va les déposer délicatement. Notre œil, que c'est joli. Oh. C'est trop beau. Encore une fois, je suis dans l'amour. Oh oui, c'est vraiment joli. Oh là là. Ouais, trop de bienté, je suis plutôt heureuse aujourd'hui car j'ai les paillettes de quoi sur les yeux et c'est la jolitude. Ok, donc mon deuxième œil est fait. Ce que je vais faire, c'est vite passer avec un pinceau éventail pour enlever toutes les paillettes qui sont tombées parce qu'on va passer au-dessous de notre œil. Et ça, c'est merveilleux. Donc, on reprend notre gloss qu'on va venir placer juste ici en mode bien dégueulasse. C'est pas grave si vous faites une grosse clotte, on s'en fout. On va prendre un pinceau assez précis. Et donc on va faire passer ça sous l'œil comme si c'était une larme en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On va la faire couler assez loin. Si comme moi vous n'avez pas assez de produit, bah c'est très simple, vous en mettez sur votre pinceau. C'est pas très compliqué. Donc je reprends mes paillettes bleues et je vais les placer sous l'œil et sur la larme. Comme vous pouvez le voir, j'en mets pas partout, tout simplement parce que je veux aussi mettre du rose. Mais quand même une majorité de bleu parce que j'ai beaucoup beaucoup de rose déjà sur mon visage et j'ai envie que l'équilibre soit total. Ça pourrait tellement être un nom de drama, My Pink One, tellement c'est nul. Ouais, c'est trop joli, du rose. Ah, c'est beau. Ben, on va faire des larmes de l'autre côté. De l'autre côté je vais en faire deux, une plus courte et une plus longue. Et puis je reviendrai. Voilà, alors maintenant que c'est fait, je vais passer au mascara. Et vu que le trois quarts de mes mascaras sont vides, ce que je vais faire c'est que je vais d'abord passer du mascara transparent et par la suite je vais passer du mascara noir. Comme ça ben, il y aura déjà pas mal de produits sur mes cils. Et ça fonctionne bien, génial. Je savais même pas que ça fonctionnait, c'est génial, super. Ben voilà, comme ça vous avez une petite astuce de youtubeuse en plus, c'est merveilleux. Donc je prends le liquide suède Passion Rose de chez NYX. Et voilà, je crois que vous avez compris ce que j'étais en train de faire.
fait. Et je prends ensuite la petite robe en jean délavé, voilà, parce que c'est un nom très normal pour un rouge à lèvres, que je vais mettre de l'autre côté. Et avec mon pinceau, je vais aller mélanger tout ça de façon stylée. J'ai envie d'un effet coulant cette fois aussi, c'est un peu dégueulasse dit comme ça. Je vais prendre du gloss et je vais le mettre ici. Vraiment, j'en mets beaucoup. C'est très joli, n'est-ce pas? Ensuite, avec un pinceau, je vais le faire couler. Merde, j'ai oublié. Merde! Ah, fuck! Je viens d'ouvrir mon pot de paillettes à l'envers, c'est la merde, j'en fous partout. Voilà, j'ai perdu la moitié de mes paillettes, c'est pas grave. C'est un moment nul. Donc je reprends mes paillettes bleues et roses et vous voyez exactement ce que je fais. On va repasser un petit coup d'highlighter parce que on en a jamais assez. Hein. Et là, je vais prendre l'highlight liquide de chez NYX. Encore une fois, ça sert à rien que je précise d'où il vient. Florence, on a compris que tout venait de chez NYX dans cette vidéo. Maintenant, je vais prendre quelques petites paillettes. Rappelez-vous quand j'avais fait le challenge 200 paillettes sur ma face. Ce challenge n'a été repris par personne parce que je suis la seule personne à aimer les paillettes à ce point. Je vais prendre des gouttes. Rappelez-vous, il y avait des gouttes. Et je vais les coller sur mon visage. Voilà, parce que moi j'aime tuer des gens, donc il y a des gouttes sur mon visage, c'est normal. Est-ce que c'est bien mis? Non, absolument pas Florence. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On va mettre une petite couronne pour le côté féerique. Ça n'a pas de sens. Ah, je me rase juste les cheveux, c'est tout ce que j'arrive à faire. C'est laid. Pourquoi je fais ça? J'ai vraiment pas de sens dans ma vie. Là là, la vie est si triste. Quand tu tues des licornes avec ta bouche. Voilà donc avant que ma caméra ne s'éteigne parce que je n'ai plus de batterie, la vie est cool. Ce maquillage est terminé, j'espère sincèrement que ça vous a plu. Je suis trop hyper happy que vous m'ayez demandé de le faire parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Les make-up un peu, voilà, originaux, artistiques, etc. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire, que je voudrais vous montrer beaucoup cette année et les autres années sur YouTube. Et je pensais vraiment que ça vous plairait pas. Et le fait que vous me l'ayez demandé, ben, ça m'a juste mis la pêche à fond parce que je me suis dit, waouh, c'est dingue, je pensais vraiment pas que ça plairait parce que c'est quelque chose qui marche pas très bien sur YouTube et tout. Mais bon, que ça marche ou pas, voilà, j'avais envie de le faire. Et donc je le fais et je suis trop heureuse que vous m'ayez demandé de le faire parce que là, je suis trop happy, mon visage est cool, je vais y rester comme ça toute la journée, même tant pis si je dois manger, c'est pas grave, je ne mangerai pas, je préfère être maquillée. Donc j'espère sincèrement qu'il vous a plu, je pense que c'est pas trop difficile à faire non plus, voilà, bon il faut quand même un bébé technique, mais ça va, c'est pas de la folie non plus. Dites-moi en commentaire s'il y a quelque chose que je dois améliorer par rapport aux explications ou quoi que ce soit, je me ferai un grand plaisir de le faire parce que c'est vrai que je suis pas toujours très technique, etc. Voilà, moi je fais les choses très à l'arrache toujours et donc quand il s'agit d'expliquer quoi que ce soit, je suis un petit peu rikiki peu paumé, donc voilà, n'hésitez pas à me dire quoi faire si vous savez ce que je dois faire tout simplement. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et si vous en voulez de nouveau, voilà, et à laisser des commentaires évidemment comme d'habitude, vos commentaires c'est la life. Donc sur ce, encore une fois je vous remercie, je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi dans une nouvelle vidéo. Salut.